Good luck. Anna suivait des études de vétérinaire lorsque la guerre éclata. L'armée allemande n'était qu'à 30 km de Paris lorsqu'une lettre de son père lui parvint. Il était en bonne santé et lui conseillait d'attendre la fin du conflit avant de rentrer en Belgique. Mais attendre ne faisait pas partie du vocabulaire d'Anna. Thank you.
Septembre 1914. Les taxis avaient roulé toute la nuit. Anna était fière de pouvoir aider les soldats à rejoindre le front. Lorsqu'Anna atteignit sa destination, elle découvrit l'horrible vérité de ses propres yeux. Non.
7 mois passèrent, durant lesquels Anna, mue par une compassion sans faille, s'engagea corps et âme pour apaiser les souffrances et les maux des valeureux soldats. Chaque vie sauvée était une victoire sur la guerre. Mais la guerre ne finissait pas. On coupe la connouille. Maintenant, la criarde. Pour la connouille. Hé, hey, violon. Je suis bas. Pourquoi faut changer? Mais là, t'as qu'à le trimoire. Non. Dieu vous bénisse, Renel. Tout.
tout.